Chers amis des hommes, chers internautes, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. C'est pour nous un privilège et une opportunité pour nous capables ici à soir pour la méditation de la parole de Dieu. On remercie le pasteur Dinel qui va nous invitation pour nous capables ici. Et nous sommes contents pour l'opportunité Seigneur à nous, qui va nous possible pour nous être capables. Nous saluons tous les collègues pasteurs qui ici à Soya, occasion ça. Et comme pasteur Fatine dit, moi, pasteur m'a convoyé avec madame, moi, j'ai juste un petit passé, je vais saluer lui et moi à la gloire du Seigneur. Appelez Dieu avec nous. Amen. Nous portons à adorer le Seigneur avec nous à Soya. Mon père, c'est Chantal Victor Guitry. Moi, souhaitais que mon Dieu étende limitement. Jusqu'à ce que l'Église en vie, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Alors, nous avons un texte pour ce maintenant, c'est un Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Je vais vous dire encore vous-même, parce que c'est lui qui a constitué le texte de base, non seulement ce soir, mais pendant toute la semaine. Donc, ce soir, nous allons lire des textes parallèles. On a toujours été sur un Chronique 4, verset 9 à 10, le texte communément appelé la prière de Jabez. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Amen. Texte à côté, nous se fait lecture. C'est un texte très instructif. Même quoi que en plus le monde découvre par révélation, parce que côté le caché, c'est très difficile pour ta penser un texte comme ça là. Parce que le caché en dedans, il y a un chapitre qui a cité nos mondes. Il y a un chapitre qui a parlé des généalogie. Mais les arrivés sous Jabez, il n'y a pas seulement cité nom, il est obligé par le détail. C'est un texte qui mettait en évidence des vérités essentielles concernant la prière de la foi. Parlez-nous de motivation pour la prière, raison qui fait nous prier, la prière de la foi. Lui présentez-nous tous les composantes de la prière de la foi. Qui ça qui fait essence prière ça? Lui présentez-nous l'exaucement de la prière. Comment bon Dieu tend des prières monde qui fait confiance. Et finalement, lui parlez-nous des résultats de la prière. Qui ça qui vive dans la vie monde qui fait bon Dieu confiance et qui prie bon Dieu. Quatre grandes vérités, ça yo va constituer essence de prédication de semaine. Mais pour ça qui concerne nos souhaits, en termes d'instruction et d'introduction à notre grand thème, le triomphe du croyant par la prière de la foi, nous allons considérer avec vous la première vérité enseignée par le texte, la motivation de la prière de la foi, que nous joignons dans verset 9, petit c. Il dit, sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et vérité, ça que nous allons étudier avec vous concernant la motivation de la prière de la foi, n'a fait ça à travers une sous-terre, dit comme ça, une situation qui invite à la prière. Une situation qui invite à la prière.
Mes frères, mes sœurs, il arrive souvent que passé nous qu'on influencé de façon négative présent nous, au point que les compromet avenir. Mais que bagage qui est important que nous le dire à soi. Lorsque ça arrive dans la vie, le problème qu'on a rencontré aujourd'hui, c'est conséquences mauvaise la vie hier que parents t'a mené. C'est conséquences conditions de prendre naissance. Lorsque ça arrive dans la vie, j'en de vie ou a mené aujourd'hui, faut sentir que bagage avenir pour vous. Il y a bagage pour pas oublier. La prière capable de faire la différence. Amen. La prière capable de changer situation moun qui a un passé qui compromet le futur. Et à ce nous voyons avec vous pour qui ça nous besoin prier et prier avec foi. Nous allons considérer, comme nous te dit, les motifs de la prière de Jabez. Et à travers ces motifs, nous parlons que moi-même avec nous besoin prier. Amen. Nous besoin prier. Jamais c'est prier. La prière est nécessaire d'abord pour enlever la condamnation du passé. C'est pas sans raison que dans le texte là, non seulement il a expliqué nous dans quelles conditions Jabez s'est pris naissance. Mais il dit, pour qui ça y a le nom? Jabez, c'était un homme misérable parce qu'il était gagné en enfance. Misérable. La Bible dit que maman te fait dans la douleur. Nous connaissons que toute femme qui va toucher normalement, elle a une douleur. Ce n'est pas ça que je dis là. Je ne veux pas dire que maman te gagne douleur, elle a fait. Même genre, toute femme qui va toucher, elle a une douleur. Mais je veux dire que Jabez manquait pas fait. Parce que le problème qui était gagné la naissance monsieur c'est tellement compliqué. Jabez ne manquait pas fait. Et son miracle qui fait le sortir. Il y a des cas. Médecin qu'on dit c'est ou bien Timoun a mouru, ou bien maman a mouru. La Bible pas dit non rien concernant maman, monsieur. Nous ne savons pas ça qui est arrivé. Mais Jabez, reste histoire la ville, montrer que condition que tu prends naissance, était une chute pour lui. Condition que tu prends naissance, gagne une influence sur l'avenir, sur la façon dont tu as grandi. Il était fait dans la douleur. Et puisque tu es fait dans une condition qui n'est pas normale, tu as le côté un nom qui peut toujours faire songer comment tu es fait. Il y aurait les Jabez. Il y a un mot qui signifie douleur. À chaque fois que des noms cités, la songer comment il y a pris naissance. Et Jabez, portait un nom qui rappelait la souffrance et qui rappelait tout que le condamné pour vivre dans la souffrance. Parce que la prière que le fait, hein, montrait que les pas seulement il y a un nom qui fait songer le fait dans la souffrance. Mais elle continuait à vivre dans la souffrance. En un mot, son nom était pour lui une condamnation. C'est pas sans raison mon côté non. Et surtout dans le pays Israël, il n'y a pas mon côté non comme ça. Ouais, un pile prophète, il y a des noms qui baillent ligne ministère. Ça veut dire Dieu révélé qui non que vous baillez, vous devez bailler par rapport à ministère lui-même libéral baillez. Mais il y a pile tout, non, il y a qu'on montre comment la vie a sombre. Et c'est ça qui est Jabez. Il y a un nom qui détermine le cours de sa vie. Il y a un nom qui influence son destin. Il y a un nom qui influence sur le présent et même sur le futur de Jabez. Mais Jabez font petit temps. Il faut garder derrière. Il dit si hier, moi t'es condamné. Si la condition t'est faite, destinée pour me souffrir toute la vie. Sinon que me porter, faire me sentir que pas de avenir pour moi, que pas de futur pour moi. Et si elle ne pas comprendre ça, mais je dis à, je comprends que les mon a servi au Dieu, malédiction levée.
Mais comprenez que les mouns investissent dans mon Dieu les fait condamnation. Car il est écrit dans la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Matthieu, il n'est pas question de Jabez ce soir, mais question de tout le monde, que diable t'es tout pas rien, que diable leur famille ou t'es condamné pour pas de chambre rien, et ou t'es réalisé, ou t'as mené la vie tombée levée, chaque sont essayé, chaque sont moyen, il tourne contre nous, chaque fois qu'on fait en avant, ou fait un pas en arrière, mais je vous t'ai rencontré avec Jésus, ou prenez une détermination pour la vie ou changer, ou à côté le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, s'il a qu'on transformé la vie mon nom, et depuis l'être, ou pas même nous il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jabez font la prière. Il dit si, famille n'est pas calibrée ma terre, mais bon Dieu capable. Si condition socialement pas qu'à changer la vie, mais bon Dieu capable. Si origine racialement pas qu'à changer la vie, mais bon Dieu capable. Ma tout frère serait, il n'est pas fait dans la vie, il n'est pas fait parce que t'es un bon papa, il n'est pas fait parce que t'es un bon maman, il n'est pas fait parce que t'es pas naissance dans le bon zone, mais il fait parce que bon 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 Dieu. Il fait parce que bon bon sauveur, il fait parce qu'on est un sauveur, qui miséricordieux, il voit dans l'état où, dans la douleur, l'affliction, il décide de passer même temps. Ma tout aspéa, puisqu'on est bon Dieu ça, pas quitter la vie à mener au côté de l'éloigné, mais quitter bon Dieu, mener au côté de l'éloigné. Pas quitter la vie à orienter, mais quitter bon Dieu orienter. Pas quitter la vie à mener, mais quitter bon Dieu mener. Si comme Jabez, vous êtes destiné pour vivre dans la souffrance à cause des originaux, mais aspéa, par la foi, camper devant bon Dieu, puis à partir de ce même ça, ça doit changer. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Songez dans Jean chapitre 9, verset 1 à 7, Jésus a passé loin un homme qui fait aveugle. Et puis, disciples ont posé question, ils ont dit, maître, Rabbi, qui ça fait monsieur fait aveugle? Est-ce que c'est à cause de péché maman, la péché papa? Jésus dit, ce n'est pas péché maman, ce n'est pas péché papa, mais c'est pour gloire mon Dieu. Amen, amen. Frère Sœur, il y a des choses qui dérivent en mal dans le passé. Oui. Il arrive pour qu'on connaisse que mon Dieu est vivant. Il arrive pour qu'on connaisse que mon Dieu est puissant. Il arrive pour qu'on connaisse que mon Dieu a changé ça. Amen. Et la Bible dit, Jésus approchait dans le nom. Il prend craché, il vide à terre, et puis il fait la boue, il passe sous yeux. Et puis il dit, allez laver le réservoir si l'eau hier. Et puis tu es allé laver les yeux, il dit ouais. Amen. Mes frères, mes soeurs, mon Dieu n'a pas changé. Amen. Bon Dieu qui attendait la prière, Jabez ça, il attendait la prière, ou même qui l'affliction, ou même qui la douleur, et douleur, affliction, lié, il y a connexion avec origine. À soi-là, le Seigneur a changé ça. Jabez, c'est une enfance qui est misérable, mais elle était faite tout dans une famille qui est très misérable, dans une famille qui est très pauvre. C'est pas seulement douleur que tes parents que ressenti là où tu as fait. Mes parents n'ont pas de moyens sur le plan économique. Ses parents étaient pauvres. Et j'avais prié pour mon Dieu délivrer dans la pauvreté. J'avais dit, si maman, ma papa n'a pas de gagner pour quitter pour moi, mais bon Dieu n'a pas pauvre. Amen. J'avais dit, si condition l'essence me fait me sentir que ma mourir à terre, mais bon Dieu n'a pas levé. Amen. Si vous êtes sorti, faites sortir de ma vie à venir pour moi, maintenant pour Dieu qui va venir. Car il y a pour ceux qui croient en Dieu un avenir et de l'espérance. Mon servi mon Dieu, il n'y a pas jamais sans espérance. Ouais. Et c'est ça qui fait jamais camper devant mon Dieu. Il dit Seigneur, c'est pour lever ma terre, c'est pour changer situation.